Bonjour à tous. Bon, ben, je fais cette petite vidéo. Du coup, c'était surtout remercier tout le monde, les amis, la famille, les abonnés, les non-abonnés, enfin, tous les gens qui sont passés, qui ont vu la vidéo, pour vos messages de soutien, vous remercier, parce que ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment. Voilà, c'est vraiment touchant, ça fait vraiment du bien. Donc avec Petit Gizmo, là on est posé chez un ami qui m'a invité histoire de décompresser un peu, de changer d'air. Donc l'ami en question, il a une chaîne, les délires d'Adrien. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette chaîne. Via, je pense, le Gaulois, il a déjà rencontré les Carapates, il a rencontré déjà pas mal de monde. Et je l'avais rencontré lors des dernières vacances avec les petits. Et voilà, donc il a voulu que l'on passe un moment où ça change les idées. Et effectivement, ça fait du bien. Donc en plus, vous verrez que dans la vidéo, il n'y a pas que moi qui suis passé sur place sur son terrain. Donc il y a aussi deux autres familles que je pense que vous connaissez. Le Gaulois et sa famille, ainsi que les Carpe Diem family qui sont présents sur place. Donc passez un bon petit week-end, la visite de la ville aussi. Donc je vais pas tout vous raconter ce qui s'est passé ce week-end là, mais voilà. Donc je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère que elle vous plaira. Et puis n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous, n'oublie pas la petite cloche aussi, c'est important pour recevoir les notifications et voir les futures vidéos à venir. Et puis voilà, donc moi et puis Gizmo, on vous remercie encore beaucoup pour tous vos messages, toutes vos attentions, merci beaucoup. Et bonjour à tous, c'est petit week-end chez les délires d'Adrien. Alors on a retrouvé plein de poteaux, on a retrouvé, il y avait Carpe Diem, le Gaulois, et puis là on va peut-être avoir un petit décollage parapente. Pour décoller, c'est assez compliqué, mais il a l'air de maîtriser le sujet. Hein. Il a l'air de sacrément maîtriser le sujet. Bon, Adrien qui prépare la grille. Jolie merguez. Non mais notre Gaulois, non, mais après le mieux c'est que j'ai tout vers où. Regardez toute cette table, tout ce beau monde. J'ai tout au même endroit sur là, faut que j'aille chercher le moteur en Dordogne chez ma soeur. Le poupette qui téléphone. Parce qu'elle hésite à passer les couilles de son patate au. Les rognons, on va dire comme ça. Son patate au barbecue ou en apéro. Ah non. Donc, les Carpe Diem. Regardez ça. On n'a pas pu tout garder. Adrien qui fait ça avec amour. Le roi du barbecue. Je voulais tout garder, mais. Bon, là, c'est les aventures de dame. Donc, il a une chaîne, suivez-le. Il va bientôt partir en vélo avec une petite carriole. Là, il a le petit MPPT qui recharge. Donc. Alors, panneau solaire. J'ai jamais vu un panneau solaire comme ça. Mais si on regarde bien, on voit les. Donc, tu es sa chaîne, il débute. Les aventures de dame. À Narbonne, petite visite. Et là, dans les monuments de Narbonne, je viens de trouver un drôle de bonhomme qui marche. On dirait un Gaulois. Tiens, ouais. Ça va, mon père.
Et là, les Halles d'Enarbonne. Petite ville. Alors, je suis toujours passé devant cette ville et je m'y suis jamais arrêté. Donc là, c'est vraiment la bonne occasion d'être chez Adrien. Et puis, voilà, de pouvoir visiter tout ça. Jusqu'à Nîmes, Béziers, Nîmes, Cavaillon, Sisteron, Gap, jusqu'à Briançon, on la voit. Et après, je pense qu'elle rejoignait directement sur l'Italie, Rome, etc. Donc voilà la route, ce qu'il en reste. Des carpédiens. On est tous des petits chinois. Mais il manque un bol de riz. Il manque un bol de riz. Il y a du poulet au milieu. Là, je vais me faire niquer. Les abonnés, s'il y en a un, je suis mort. C'est de l'humour. Hein, on s'appelle de l'humour. Voilà, petite agine. Donc, bonne petite soirée. Donc, n'oublie pas les aventures de dames qui va partir là. Les voyages de dames, pardon. Les voyages de dames qui va partir en vélo avec sa petite remorque. Et pour un tour d'Espagne en montant tout par le Portugal et tout. Donc, ça, il faut suivre. Vraiment. Et puis, c'était quoi ta chaîne ? Les Jardins des Fées. Les Jardins des Fées. Voilà. Je le dis pas. Donc. Eh bien, à suivre aussi, à découvrir. Un camion, moi. On va suivre les fées. Les autres, je vous les présente plus. Vous les connaissez déjà. Eh ben, ça va. Il y a peut-être qui nous connaissent pas. Ouais, mais je vous ai déjà cité 3 fois, au moins, là, dans mes vidéos. Donc, ils regarderont la vidéo complète. Ouais, je vais pas être chiant. Le Gaulois, la Gauloise. Attention. Elle n'entend pas, mais attention, elle peut mordre. Vous ne l'entendez pas, mais moi je l'entends. Pas de problème. Hein. Les délires d'Adrien, qui nous reçoit. En fait, il y a trop de chaînes. Donc, ouais, ça va dire. Les Carpe Diem, family. Et eux, c'était... C'est ma route. C'est ma route, c'est ça. Donc, pareil, il n'y a que des chaînes. Donc, vous n'oubliez pas, il y a Tony Nomad Life aussi, c'est moi-même.
T'as les voyages d'Iris, là. Les voyages d'Iris, voilà. Et puis, il y a les voyages d'Aura, qui courent dans tous les sens, je pense. Et puis, il y a les aventures de Tyson, là-bas. Ça s'arrête plus, là. Ça s'arrête jamais. Non, mais c'est le bordel, hein. On a les aventures de Poupette aussi, on l'oublie, Poupette. Oh là là. Et pour Poupette, pip pip pip. Bon, bah, petit gâteau fait par Lily. Et, donc, non, pas Lily, ma fille. Lily, la fille du Gaulois. Donc, voilà. Et ben, on va goûter ce petit gâteau au petit réveil, ça va faire du bien. Je pense qu'il doit être bien, bien bon. Cuit comme ça dans l'orange. Voilà, ça doit être vraiment très très bon. Donc goûtez ça. Et puis après, allez voir tout le monde si tout le monde est levé. Et voilà. Bon, bah, comme à l'accoutumée, à chaque coup que je vois le Gaulois, à chaque coup il fait de la bricole. Il y a toujours un truc. Bah, l'autre fois c'était les batteries. Changement de tes batteries. Et là, bah, une petite entaille dans le pneu. Ouais. Qui fait un peu peur. Ouais. Donc, on va jouer la sécurité. Il y a de vos abonnés, de ces abonnés qui ont des pneus de poids lourds, je suis preneur. 205, 80, de 22,5. Donc 295, 80 par 22,5. S'il y en a qui ont du pneu de poids lourd, et on s'en stocke et puis qui ne savent pas quoi en faire. Pour faire du drift. Eh ben, le Gaulois, il est sur la route, il viendra le chercher. Si en plus des pneus, il y a une petite bouteille de jaune, je suis preneur. Ah, ben ça, si tu passes par chez mon père, il y a moyen. Lui, il aura la bouteille de jaune, mais il n'aura pas les pneus. Bon, on peut passer quand même. Ça, c'est des choses... Pour le moment, je ne m'en sers pas plus. Enfin, j'ai pas encore... Ah bah, c'est du poids lourd. Bon, la route c'est court, elle est encore marquée par le sable du Sahara. Hein. Ouais. Ben là, un petit tractopelle, Adrien. Ben, quand j'étais petit, j'étais toujours fasciné de ces engins-là. J'ai toujours adoré les tractopelles, donc ça fait plaisir d'en voir un. Un tout vieux comme ça. Ben, alors, comment ça doit aller bien? Ah, un jour, j'irai Adrien voir si je peux essayer ça. On va recommencer de rouler un petit tracto. Ben, c'est vraiment sympa. Alors, un petit patrol avec Adrien, sa passion des 4x4, du franchissement. Bon, on vous emmène faire un tour. Allez, go. Allez, on les emmène faire un tour. Alors, comme vous voyez, là-dedans, bah, c'est un peu la bagnole de Monseigneur. Hein. C'est tout neuf. C'est... Hop. Un bêtise. Pas derrière. Voilà. Bon. Allez, parti, mon petit. Allez voir, se promener avec le patrol. Le réservoir du patrol, il est là. On va faire un peu, ouais. Déjà, il y a deux petites pistes ici, trop bien. On va rester un de vos motrices pour nous. On va le faire chauffer un peu. Ce qui est génial avec les 4x4, c'est que tu passes vraiment partout. Quoi. Là, je sais pas si il va pas. Non, ça va faire. Ah, il devrait y aller là. On va rester un de vos motrices pour le début. Egon, fidèle copilote d'Adrien, il est là. Tranquille, serein. Tranquille. Fénard. Hop là. Elle est tombée dans le trou.
On les voit tous ces geeks là de YouTube qui filment. Alors, petite balade en famille avec les enfants à l'arrière. Alors, c'est Domenico, le papa. Les gars, avec le Gaulois. Il y a ma voiture qui est garée derrière le tracteur. Les Carpédiums. Les Carpédiums qui sont là. Le truc, on peut le remonter si tu veux. Les délires d'Adrien. Ouais. Tu en vas, qui vit là. Il y a bonjour au papa, toi. C'est la chaîne de qui? C'est chez Tony Nomad Life. Bon, bah, des gros bisous, papounet, hein, comment il s'appelle? Domenico. Domenico. Bon, bah, on te fait des gros bisous, mon père. Ah, il va être content. Des bisous. Allez, à bientôt, va. Bon, alors, Adrien, il nous a préparé les petites cuisses. Magnifique. Magnifique. Toutes marinées. Regardez la petite pistole. Comme on est reçu, c'est... Non mais c'est royal quoi. C'est royal. Surtout ne venez pas. Ne venez pas. C'est bien. Mais alors ceux qui ont des voitures à donner hein, qui n'hésitent pas rien, il faut qu'elles soient roulantes. On n'est pas raciste. Voilà. 4 roues et un volant, et c'est le top. Impeccable. Regardez-moi, avec ma famille là.